sais pas pourquoi je parle jamais des années 70. J'adore les années 70. Les jeunes, ça va être une vidéo très intense, il y a tellement de choses à dire sur la mode des années 70. Vous savez comme ça me tient à cœur de défaire les clichés sur les décennies passées. Un cliché, c'est au mieux un truc vrai qu'on exagère, au pire un truc complètement faux inventé. Dans le cas de la mode 70s, les deux plus gros clichés que sont la mode hippie et la mode disco ne sont pas complètement faux. Alors pourquoi est-ce que ce sont quand même des clichés ? Me direz-vous, tout en admirant ma frange que j'ai coupée moi-même, je tiens à le dire. Eh bien parce que depuis les années 70, l'imaginaire collectif a transformé ces deux tendances qui étaient à la base des tendances secondaires en tendances principales, voire emblématiques de la décennie 70. En fait, entre la mode hippie et la mode disco, qui ont respectivement existé au tout début de la décennie et à la fin, il a existé tout un panel de tendances beaucoup plus importantes finalement, qui ont été beaucoup plus significatives que ces deux tendances-là. Les années 70, d'ailleurs, c'est le début de la multiplicité des tendances. Si vous voulez, globalement, la mode jusqu'alors, c'était 3-4 tendances principales et quelques tendances secondaires. Par exemple, pour la femme des années 50, les tendances principales, c'était grosso modo la robe corolle, la robe crayon et le tailleur façon Chanel. Et en tendance secondaire, par exemple, le pantalon. Chez les hommes, dans les années 50, par exemple, la tendance principale, c'était le costume. Et en tendance secondaire, on pouvait trouver, par exemple, chez une branche de la jeunesse un petit peu rebelle, le jean blouson noir. Donc si on a commencé à se débarrasser du conformisme vestimentaire dans les années 60, c'est vraiment dans les années 70 que se fait le plus gros du travail. La première raison de cette révolution, c'est l'industrialisation de masse. On produit en plus grande quantité et des matières textiles synthétiques un peu cheap envahissent le marché. C'est la grande ère du polyester. Donc évidemment, plus de vêtements sur le marché égale plus d'options pour s'habiller. Mais la raison est aussi sociétale, et d'ailleurs, la mode c'est toujours ça, c'est toujours une réponse à ce qui se passe dans la société. Donc là, toujours dans la continuité de l'anticonformisme instauré dans les années 60, les années 70 prônent l'individualité. On ne cherche plus à s'intégrer au groupe, on cherche plus à affirmer son unicité. Alors ça veut pas dire qu'il y a plus de mode, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus et des très différentes les unes des autres. Voire des carrément extrêmes comme par exemple la mode punk. Mais celle-ci, on en reparlera plus tard. Si on regarde la mode actuelle, on peut constater qu'on puise carrément nos racines dans les années 70. Puisque depuis cette décennie, on n'est plus retourné en arrière. Aujourd'hui encore, ce qu'on recherche dans la mode, c'est l'expression de soi, l'expression de sa personnalité, de sa différence. Fini l'ultra-uniformisation du début et milieu du XXe siècle. Les gens aujourd'hui veulent s'affirmer. Alors encore une fois, un petit peu de nuance. Évidemment qu'encore aujourd'hui, vous pouvez trouver plein de gens dans la rue qui seront habillés de la même manière. Je ne dis toujours pas qu'il n'y a plus de mode, je dis juste qu'il y en a beaucoup plus. Et qu'elles sont moins spécifiques qu'avant. Revenons donc à nos modes des années 70. Une chose à savoir, c'est qu'elles sont en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie influencées par les États-Unis, contrairement à celles des années 60 qui étaient plutôt d'inspiration britannique, ou celles des années 50 plutôt inspirées par la France. Je vais donc donner beaucoup d'exemples illustratifs américains, mais sachez que les mêmes tendances ont fait leur chemin vers le reste du monde, parfois juste avec un petit peu de retard et plus ou moins d'intensité selon les pays. Autre précision, la plupart des modes des années 70 sont unisexes. Les différences vestimentaires s'effacent considérablement entre hommes et femmes à cette époque. Alors maintenant, entrons dans le détail en parlant plus en détail de la mode qui, pour moi, est beaucoup plus représentative des années 70 que les hippies ou le disco. Attention, vous l'avez ? Le jean t-shirt. Vous êtes déçus ? Je comprends. Mais imaginez-vous l'importance de l'émergence de cette mode. Le jean et le t-shirt sont encore aujourd'hui, en 2021, ou je ne sais quand vous regardez cette vidéo, 2031 peut-être. Sont encore une tendance principale. Ça n'a jamais démodé. Alors le jean et le t-shirt n'ont pas été inventés dans les années 70, mais c'est à cette époque qu'ils sont devenus hyper méga mainstream, et ça, c'est une révolution. Grosse période dénime, hein, de façon générale. Oh, on n'avait pas peur d'être en full dénime. Britney et Justin Timberlake n'ont rien inventé. Petite différence dans le port du jean avec aujourd'hui, encore que ça revient.
Le jean se porte généralement dans les années 70, évasé aux chevilles, le fameux pantalon patte def ou bottom bell pants en anglais. Porté en taille haute, idéalement bien moulé serré. Côté t-shirt, c'est l'avènement du t-shirt à slogan. On l'adore celui-là aussi, il n'est toujours pas parti. Les t-shirts révèlent votre identité, ils racontent aux autres votre région d'habitation, vos groupes de musique préférés, l'équipe de sport que vous soutenez, votre université, votre marque de boisson favorite, votre lutte sociale et même pourquoi pas, votre orientation sexuelle. Le style dans les années 70 devient beaucoup plus décontracté, d'ailleurs il n'y a plus de différence aussi nette entre le vêtement du quotidien et le vêtement qu'on porte pendant l'activité sportive. Donc on se met à porter des baskets dans la vie de tous les jours. Vraiment un truc très important dans les années 70, c'est qu'on veut se sentir à l'aise. On en a ras le coquillard de toutes les contraintes vestimentaires qui ont existé avant. Bon, vous allez voir que finalement ils s'en sont créés de nouvelles, comme par exemple ce jean trop serré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on n'est pas du tout à l'aise là-dedans. Et les pulls qui grattent aussi, ça c'est pas très confortable ça. Moi je préfère encore porter un corset, hein. C'est la grande ère du casual wear, qu'on peut traduire en français par mode confortable, mais aussi mode simple. Et la mode simple des années 70, ce n'est pas que le jean t-shirt, c'est aussi le jumpsuit, la salopette et par exemple la maxi dress. Parlons-en de la maxi dress ou maxi jupe ou encore robe bohème, jupe bohème, puisqu'elle a plusieurs noms et plusieurs variations de style. Pour en parler, il faut d'abord parler de la fameuse mode hippie. Et pour parler de la mode hippie, il faut parler du mouvement hippie. Quand est-il né ? À la moitié des années 60 et s'est considérablement développé à la fin des années 60. Puis il a traîné un petit peu en longueur sur le début des années 70, puisque évidemment, une mode et un mouvement culturel, ça ne s'arrête pas à la fin d'une décennie tout pile le soir de l'an à minuit. Non, ça déborde sur la décennie suivante, ça se transforme lentement. Donc encore une fois, la mode hippie, c'est un truc des années 60 qui a débordé sur le début des années 70. Mais c'est un truc des années 60. Toute l'idée culturelle derrière le mouvement hippie, c'est totalement un truc né des combats des années 60. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est pas très représentatif de la décennie 70. D'ailleurs, je pense que ce cliché, il est plus européen qu'américain, parce que le temps que la mode hippie arrive en Europe, c'était déjà en train de se ringardiser aux États-Unis. Donc si les Européens ont l'impression que c'est un truc qui a émergé au début des années 70, c'est juste que le truc est arrivé un peu tard jusqu'à eux. Bref, toujours est-il que c'est quand même pertinent de parler de la mode hippie quand on parle des années 70, puisque c'est quand même une mode qui a laissé son empreinte dans les années 70. Le mouvement hippie s'inspire du retour à la nature, de l'anticonformisme et de la libération du corps et de l'esprit. Et puisqu'on veut libérer son corps, et ben on porte des vêtements confortables, souvent amples, comme des grandes tuniques. Le mouvement hippie se détourne des codes occidentaux pour se tourner vers l'Orient, donc les vêtements sont souvent inspirés par ou directement piochés dans les cultures orientales. Une jeunesse comme ça, ben vous savez, c'est une honte, moi je dis. Pourquoi ? Ben parce que c'est des crasseux. Je les raserai à 00. Au fur et à mesure des années 70, la mode hippie deviendra de plus en plus marginale. Mais on en gardera tout de même une inspiration dans la mode mainstream, avec un style qu'on appelle le boho chic. Bohème chic, quoi. Ouais, en gros, c'est la mode hippie, mais sans le lifestyle hippie. Ouais, en gros, c'est un bourgeois habillé en hippie. D'ailleurs, on trouve des maxi-dresses boho chic des années 70 à des prix très élevés parce qu'elles étaient parfois faites dans des matières nobles comme la soie ou le satin. Donc c'est marrant de voir comment un truc qui à la base se voulait antimatérialiste a été complètement récupéré par la bourgeoisie, la mondialisation, etc. Autre tendance née dans les années 60 mais qui a débordé sur les années 70, la mode skinny ribs. Littéralement en français ça veut dire côte maigre. Ce sont des pulls en laine très moulants, portés avec manches ou sans manches, en superposition d'une chemise ou à même le corps pour que ça gratte bien comme je vous le disais tout à l'heure, très souvent aussi portés en col roulé. De façon générale, de toute façon, les vêtements tricotés sont très à la mode. Pour les femmes, les hommes, les enfants, personne n'y échappe. On aime porter la laine en couleur, en motif, en patchwork, et le crochet aussi est très populaire, ça tombe bien, je viens de m'y mettre. Robe crochet, poncho crochet et pourquoi pas maillot de bain crochet aussi. Il y a également un bon gros délire autour des vêtements en daim à franges. Et puis alors dans les années 70, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on s'intéresse aussi au vintage. Et oui, le vintage c'est pas nouveau. Et dans les 70s, la mode vient s'inspirer de la fin du 19e siècle, mais aussi des années 20, 30 et 40. Meilleur exemple, l'enseigne Biba, qui a donné ensuite naissance au style Biba, fortement inspiré du style art déco du début du 20e siècle.
Chez les femmes, on porte toujours la mini-jupe qui a émergé dans les années 60, mais plus on avancera dans les années 70, plus on lui préférera une jupe qui redescend au niveau du genou, voire sous le genou, mais pas par puritanisme, plutôt toujours dans ce souci d'être confortable dans ses mouvements. Les années 70, c'est aussi bien sûr le grand début du féminisme moderne, par l'émergence par exemple en France du mouvement de libération des femmes, ou Women's Lib aux États-Unis, et la mode toujours liée au mouvement de société s'adapte et réinvente la femme. C'est la grande mode du tailleur pantalon pour femmes. Yves Saint Laurent, déjà en 66, avait non pas inventé, parce qu'on avait déjà vu des femmes porter des costumes avant, mais mis en lumière. D'ailleurs, le pantalon pour femmes, ça devient, mais alors, complètement banal. Ça aussi, c'est donc une tendance forte des années 70. Alors à votre avis, est-ce que c'est masculin de porter un pantalon ? Moi, je vois absolument pas ce qu'il y a de masculin. Je trouve que c'est aussi esthétique de voir certaines filles avec des jupes qui sont absolument horribles, mal coupées. Une femme peut être féminine même en portant un pantalon. Chez les hommes, le costume se porte toujours, mais plus pour le travail ou en soirée. Ah, on va jamais leur lâcher le steak avec le costume. Ceci dit, dans les années 70, il est un petit peu plus rigolo. Il y a par exemple le col pelle à tarte. Ce costume, on va l'accessoiriser avec des cravates larges au motif, comment dire, audacieux. On va dire audacieux. Sinon, l'homme, comme je vous l'ai dit, de façon générale, suit les mêmes tendances que les femmes, avec des petites variantes de temps en temps. Dans le monde musical émerge une mode révolutionnaire tout droit venue de Grande-Bretagne, le glam rock. À l'instar de ses plus grands représentants comme mon bien-aimé David Bowie ou Mark Bolan, les adeptes du glam rock choquent, amusent ou fascinent avec leur style androgyne et extravagant. Chaussures à plateforme complètement démentes, combinaisons moulantes, paillettes, sequins, maquillage, cheveux longs et même parfois colorés comme ceux de Bowie. Le glam rock inspire aussi parfois ces jeunes fans qui adoptent le look. Mais l'androgynéité chez les hommes dans les années 70, c'est pas la tendance principale. Hein. On voit d'ailleurs se répandre de manière beaucoup plus importante la tendance qui est complètement à l'extrême opposé. Une mode extra masculine, qu'on appelle parfois une mode machiste. Grosse moustache, chemise bien ouverte sur torse poilu, partie génitale moulée dans un pantalon serré. L'objectif étant d'afficher de manière ostentatoire ses attributs de virilité. Un fait intéressant sur cette mode, c'est qu'en fait elle est née dans la communauté homosexuelle, donc la communauté masculine homosexuelle. Le fait d'adopter des codes très 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 virils comme ça, c'était des signes de reconnaissance entre homosexuels. Mais le mainstream s'est aussi emparé de cette mode. Plein d'hétérosexuels se sont mis aussi à la portée. Alors après ça, pour les hommes homosexuels, si les poils et le cuir ne suffisaient plus pour qu'ils se reconnaissent, ils ajoutaient des symboles codés plus discrets comme un mouchoir dans la poche arrière de leur pantalon ou une boucle d'oreille. Allez, parlons des punks! Je sais que vous les attendez. Là encore, comme pour le glam rock, l'inspiration vient de la musique, le punk rock. Comme pour le glam rock, l'influence est britannique. Deux exemples d'icônes punk à connaître, le groupe Sex Pistols et la créatrice de mode Vivienne Westwood. Alors je vais évidemment me concentrer sur cette dernière puisque la vidéo concerne la mode. En 1971, Vivienne Westwood et son petit ami Malcolm McLaren, qui justement deviendra quelques années plus tard le manager des Sex Pistols, ouvrent une boutique à Londres sur King's Road, qui après plusieurs changements de nom et d'identité prendra finalement en 1974 le nom de Sex, en toute simplicité. L'idée de départ de cette boutique, c'était de vendre à la fois les créations de Vivienne Westwood et des accessoires sadomasochistes. Mais très vite, les deux univers se mélangent et Vivienne Westwood s'inspire du sexe, et plus particulièrement de l'univers sadomasochiste, pour ses créations. Mais il y a aussi un fond politique, ou plutôt anarchiste, dans l'univers de la boutique sexe. Vivienne et Malcolm utilisent la provocation en réponse à une société qu'ils contestent. La mode punk s'est développée, et ce qu'on peut par exemple en retenir, ce sont les vêtements déchirés, les trombones dans les fringues ou dans la peau, le cuir, le tartan, les chaînes, les slogans et symboles anarchistes ou très sexuels, les coiffures extrêmes comme les crêtes ou les piques, et beaucoup, beaucoup de maquillage. Alors d'ailleurs, le maquillage, parlons-en. Si on oublie les punks, le glam rock et le maquillage qu'on porte en boîte de nuit, au quotidien, le visage a tendance à rester assez naturel. Bon, pour les plus coquettes, il y a quand même eu une petite razzia sur le fard bleu, mais globalement, les femmes se sentent moins contraintes à se maquiller ou même à se coiffer. On laisse très souvent ses cheveux tranquilles dans les années 70, à l'exception de quelques tendances fortes,
comme celle de la cultissime coupe Farrah Fawcett. Chez les femmes et les hommes noirs, c'est toujours depuis la fin des années 60 la mode de la coupe afro qui pour l'époque représentait à la fois un acte on ne peut plus naturel, mais aussi militant parce que jusqu'alors la société poussait les noirs à transformer la nature de leurs cheveux pour s'adapter aux codes de beauté des blancs. Sinon, en termes de coiffure et pilosité pour les hommes, c'est la mode des cheveux longs, de la moustache et des pattes. Les pattes sont très populaires. En termes de chaussures, on porte un peu de tout. Chaussures plates de type sandales par exemple, mais il y a quand même aussi une énorme mode des chaussures compensées, pour femmes et pour hommes, s'il vous plaît. Alors pour hommes modernes, hein, parce que évidemment c'est la mode du talon pour hommes, ça a pas trop plu aux hommes tradis. Dernière tendance dont je voudrais vous parler, puisqu'elle arrive à la toute fin des années 70, la fameuse mode disco. Première chose à savoir sur la mode disco, ça n'a existé que sur la deuxième partie de la décennie, avec un pic au moment de la sortie de Saturday Night Fever, donc en 77-78 pour l'Europe. Mais alors justement, qu'est-ce que c'est que cette mode disco? Bah, c'était pas vraiment une mode à part entière, puisqu'évidemment la mode disco se porte en discothèque, où elle est portée par les chanteurs disco sur scène. Les gens en font tout un pataquès, mais en fait c'est juste les tendances principales des années 70, mais avec des paillettes quoi. Les tendances du quotidien, mais transposées à l'ambiance boîte de nuit, donc avec des matières différentes, des matières qui brillent, plus de couleurs, des sequins, des paillettes. Donc puisque ce sont les tendances jour adaptées pour la nuit, on retrouve chez les hommes les costumes à col pelle à tarte, pour hommes et femmes, pantalons pattes d'ef moulants, jumpsuits, les mini shorts aussi dont je ne vous ai pas parlé mais qui étaient très populaires. Bref, que des silhouettes typiques de l'époque dans des matières et couleurs plus propices à l'ambiance boîte de nuit, comme le lycra par exemple. Si elles portaient des robes, les femmes en portaient souvent des confortables, des très fluides qui donnent une silhouette simple et allongée, la silhouette emblématique des années 70. Eh bien les amis, je crois qu'on a fait un bon petit tour là dans la mode des années 70, alors... J'entends certains crier, hurler que je n'ai pas parlé de certaines choses dont ils se souviennent, par exemple des choses de leur enfance, puisque je n'ai pas parlé de la mode enfant, hein, j'ai pas parlé des cagoules par exemple, j'ai pas parlé de la mode roller ou roller disco, mais parce qu'encore une fois tout ça c'est des sous-tendances, enfin quand je dis sous-tendances c'est pas dans le sens péjoratif mais c'est en... je veux dire tendance secondaire. Et des tendances secondaires, il y en a eu plein. Ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est vous donner une vision globale de ce qu'on pouvait voir le plus souvent dans la rue. Je sais que je vous saoule avec ça, je vous saoule peut-être avec les clichés, avec voilà, les modes authentiques, etc. Mais c'est tellement important de bien se souvenir du passé, déjà si on veut pas qu'il disparaisse complètement dans les profondeurs de l'oubli, mais c'est aussi hyper important pour en tirer les bonnes leçons pour nous, notre présent, et mieux construire notre futur. Il y a plein de leçons à retenir des modes passés, parce que comme je vous l'ai dit, c'est toujours très 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 fortement lié aussi aux évolutions de la société, aux mouvements sociaux et culturels. Donc vraiment c'est important d'en avoir une image juste et objective. Après, on a le droit de rêver, bien sûr! Incarnez ce que vous avez envie d'incarner. Dernière leçon que je voudrais qu'on retienne de cette vidéo, c'est que, oh là là, comme les années 70 sont toujours là. Tous les ans, on nous les ressort à toutes les sauces, et les robes bohèmes pour l'été, et la coiffure à la Farrah Fawcett. Tellement de choses dans la mode actuelle sont nées dans cette décennie, ou en tout cas se sont ancrées dans cette décennie. Et comme je disais au début de cette vidéo, c'est vraiment une décennie qui a construit notre modernité à nous. Peut-être que dans les années à venir, on va complètement passer dans une nouvelle ère, mais en tout cas, en ce moment, on est encore un peu dans l'ère construite dans les 70s, le casual wear, on est en plein dedans, on sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, mais en tout cas, on n'est pas pressé. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre tendance préférée des années 70. Personnellement, je serais plutôt tendance boho chic, puisque je suis plus branchée années 60, donc j'aurais tendance à rester sur cette mode qui traînait en longueur depuis les années 60. Mais vous, s'il vous plaît, dites-moi et dites-moi si vous pensez à des tendances que je n'ai pas pensé à évoquer ou j'ai pas eu le temps d'évoquer dans cette vidéo. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je fais des vidéos qui traitent de culture vintage. Je sais pas pourquoi je le dis maintenant, parce que je pense qu'à ce stade-là de la vidéo, vous avez compris en fait que je
parlez pas de mécanique. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. En revanche, un truc qui n'est pas gratuit, mais qui est très sympa, c'est de me soutenir sur Tipeee. Encore que je dis que c'est pas gratuit, mais il y a une fonction sur Tipeee qui vous permet non pas de faire un don directement, mais de regarder des pubs pour que ça puisse générer un don automatiquement. Je suis aussi sur Instagram si vous voulez y passer me faire un petit coucou, et sur TikTok. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.